Ben voilà. Pour le moment, je suis en train de lire un très joli roman policier avec une énigme et j'essaie de trouver qui a tué, en fait. Oui, et sinon? Ben, sinon, le problème que je rencontre, c'est que je suis arrivé à la page 163, vous voyez? Et alors, là, c'est sûr qu'ils vont me donner l'énigme, mais là, il se fait que la 163 est collée, elle est collée à la 164. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe. C'est là-bas, l'énigme, c'est là-bas qu'il faut la résoudre, je ne sais pas ce qui se passe. Et sinon? Mais sinon, c'est toujours là que c'est collé. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je ne vais pas savoir qui a tué, ça c'est notre première chose. Et puis, je ne vais plus pouvoir acheter que des livres qui ont 162 pages. Mais allez trouver des livres qui ont 162 pages, il n'y en a plus. Regardez, ils font tous des bouquins, c'est des briques énormes. Hein, que ce soit Musso, Lévy, la Noton, ou n'importe qui, Emmanuel Schmitt, mais même Balzac. Allez trouver un Balzac de 150 pages, c'est impossible! C'est impossible de faire ça! Alors, en fait, il me cache la vérité! La solution de ma vie est dans ces deux pages-là! Et sinon? Sinon, ça va. Et vous? Sinon?